La licence en droit de l'Université Paris 13 est ouverte à tous les étudiants bacheliers, mais l'expérience montre que ceux qui sont titulaires d'un baccalauréat général réussissent plutôt mieux. Il est à noter que d'autres formations existent, comme la capacité en droit. Les qualités principales que l'on peut attendre des étudiants en droit sont principalement le goût du travail, la réflexion, l'ouverture d'esprit, la méthode, le goût de la lecture. Le programme est orienté sur les enseignements fondamentaux, complétés par des langues étrangères. Les matières sont essentiellement nouvelles pour les étudiants. Il s'agit par exemple du droit constitutionnel, du droit civil, du droit pénal, des relations internationales, de l'économie, de la sociologie ou encore de la science politique. La licence en droit n'est pas forcément conçue comme une fin en soi. Bien sûr, à l'issue d'une licence, il est possible de s'insérer sur le marché du travail ou de se présenter à des concours administratifs. La plupart des étudiants choisissent de poursuivre en master. L'Université Paris 13 propose une dizaine de masters en droit des affaires, en droit européen et international, en droit interne, en droit social ou encore en droit immobilier. Le passage par la faculté de droit reste le moyen d'acquérir une formation juridique complète et le moyen d'accéder aux principales carrières juridiques qui sont variées, avocat, notaire, magistrat, huissier, etc. Les métiers sont nombreux. Les étudiants bénéficient à l'Université Paris 13 d'une véritable proximité avec l'équipe enseignante et une attention particulière est portée à la réussite en première année, avec un accompagnement personnalisé dans le cadre d'un tutorat, ainsi qu'un renforcement des acquis. Enfin, les étudiants peuvent trouver à l'Université Paris 13 une formation pour accéder au métier d'avocat et au concours d'accès à l'École nationale de la magistrature.